commencer droit donc puisque quand même donc monsieur très très bien et comment transition ça puisque quand même donc m'a pas prendre coupe transition ça donc qu'on est là nous obligé quitter pays nous vienne boy ici donc il dit donc comment transition donc comment vivre avant de démarrer ma pour ton précision puisque hier on a commenté on a pour sur le client il y a monde qui m'a demandé est-ce que tu es venu à qui tu as fait démiser c'est-à-dire est-ce que c'est dans Biden ou venu non pas venu dans Biden mais plutôt venu sur visa parce que nous avons un visa depuis 2018 qui a expiré 2024 je ne pas venu dans Biden ok ok toi là d'accord donc jusqu'à présent, je suis capable de dire que ma réintégrée, timidement, doucement, sûrement, en train de regret de déplacement et intégration en fait. Mais il y a un peu de monde qui est entourage moi, qui, selon les gens, ils m'ont évolué, j'ai moins dégagé contre moi, j'ai recruté une idée pour me gérer. Je dis que c'est comme si je suis tout le monde déjà, quand c'est un de bagages. Moi, tellement, je m'appuie. Et je pense que moi, je ne m'ai pas passé bien, à l'école. Je me suis rendu compte que je connais Paul Dacre et les États-Unis depuis 2015, comme je parle en anglais. Je suis un peu plus de temps. L'école a pour l'ouvrir, donc pour l'instant, moi je cherche une autre activité que je fais. Je suis toujours en retenue ambiance anglaise et je suis capable d'apprendre bien, apprendre vite tout. Jusqu'à présent, je suis dégagé donc bien l'intégration, je suis capable de sécuriser, aller lentement, doucement, sûrement, mais je suis capable d'aller à bon port. Donc pour auditeur qui te texte, mais tu as demandé, donc est-ce que gain ça y est, on se dit là, Bidenisation, donc que ce soit ou même avec Pierre Renel, donc il dit clarifier pour nous, donc il n'est pas Bidenisé. Donc c'est ça. Donc Pierre Renel, donc m'bakon si avant de déraper, donc wap clarifier ça pour vous. Bon, même ça n'a pas d'importance, c'est que nous font précision sur Biden non parce que et grand paquet monde je dis assez grâce à Biden non yo quitté Haïti et yo vini bon ici parce que yo pas qu'à vivre en Haïti et quand même c'est pas mauvais mais à la vérité moi-même j'ai un visa et m'habitue voyager donc de voyager de venir petit moins et à un moment donné me venir me compte que présence moi c'est femme biprel donc femme biprel parce que mon petit monde qui non l'âge fragile et m'bavler au soir de ma vie pour que moi regrette et que m'était une opportunité pour me biprel et m'était rester dans égoïsme dans orgueil moi m'était choisir rester en Haïti pour me faire ça moi-même. Et malheureusement, situation que le pays a vécu aujourd'hui, il va te permettre que je continue et vivre avec lui, Port-au-Prince. Donc, moi là, et c'est pour ça que moi là. Donc, m'a tout enchaîné avec une question que t'ai posée Lydie et qui, c'est la question d'abord le poser tout. Comment intégration est, moi pense et tout le monde qui décide de voyager à un moment donné pour quitter le pays, il faut préparer le mental pour connaître qui côté va venir, pour qui ça va déplacer. Donc moi-même, dès que je finis de faire exercice ça, et je suis venu aux États-Unis, en plus, un pays côté m'a visité depuis 2006, moi je connais un pile bagaille sur le fonctionnement mounio, sur le rapport mounio, sur le pays en plus. Donc, ça veut dire que, ça a été déjà dans la tête, moi.
Donc, il vient plus facile pour intégration faite. Donc, l'on vient dans le pays où pas l'école la donne, ou pas lever la donne pour me bagaille là faut gagner langue là parce que c'est langue là qui parle que ouverture pour et puis après c'est bataille pour gagner et régularité à légalisation si vous voulez et donc moi même c'est dans étape ça mieux pour le moment et pendant petit temps ça m'aller l'école là en premier temps moi tapé sur cours online mais après me devine dit tête moi ou bien quelqu'un qui conseiller mieux te dit moi faut moi sorti pour m'aller faire faut me sorti pour contact yo capable faire donc rester des ordinateurs et apprendre c'est pas meilleur et meilleur choix donc moi commencer faire li et à ce moment-là moi commencer rencontrer de monde mais constat me fait avec dernière vague migration vers États-Unis et c'est de toute couche dans société haïtienne non ou gagner impression qu'on non l'autre Haïti en Haïti comme si ça nous rêvait moi même bon coup m'aller là d'un côté moi nous quitter à 9h du soir mais l'homme quitter quoi m'a regardé monde qui vient y a quitté en fait non alors le n'a quitté quoi le soir et on regarde quand c'est machine et étudiant qui a quitté quoi. Ou une impression c'est non l'école en Haïti ou non université en Haïti dans période côté nous t'ai quitté et pour yo très tard tellement comme si c'est étudiant haïtien c'est haïtien et puis donc l'on sorti tout l'on aller dans espace tant coup mall et dans mon cas parce que c'est un monde public dans pays moi donc ou paquet haïtien yo ouais identifié y a des journalistes à comme avant quitter pays a donc non premier temps moi senti me la caille moi non second temps les couleurs m'a fait affronter réalité a non communiquer avec administration que c'est pour gagner licence que c'est pour gagner bon papier s'il vous plaît donc moi et vini rendre moi compte que d'abord et la caille moi oui j'aime d'ab dit pour haïtien yo. Et c'est à partir de contact avec l'extérieur, n'en parle anglais pour l'IA, pour me dégager, pour me jouer de moyo, pour me capable d'expliquer ça me voulait, pour me capable de défendre point de vue, moi. Et c'est pas à pas, chaque fois que j'ai occasion fait, et à force ça, donc, m'évaluer intégration. Donc, m'a dit que en 6 mois que moi j'ai là, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais même très connecté avec le pays. Et excusez-moi que je parle trop parce que je juste fait précision ça. Je ne pas venir là pour me quitter ça que je gagne et m'apprendre la carrière de bon en termes de vivre ensemble, en termes de. Par contre, et pas oublier, non, nous sommes non au pays côté grande chaleur humaine malgré situation, malgré tout problème nous gagnons. Donc moi ici elle est difficile par rapport avec réalité travail qui vient faire que moun pa gen temps pour moun. Donc même moi pas vle changer ça qui bon yo que me vin avec yo en Haïti et puis pour adopter tout bagaille bon ici comme si c'était bon ici qui référence c'est-à-dire pas gagner de gagner bon la caille nous. Donc à la fois m'a intégré mais moi rester attaché à pays, moi rester attaché à valeur pays. Et moi rêver que Haïti améliore pour que nous ca retourner un jour ça n'a pas pris ici pendant petit temps nous y est là et puis pour nous bailler dans pays nous pour que pays nous participer dans construction j'ai de commencer donc et choc culturel là puisque quand même donc n'importe gens apprendre et est-ce que choc culturel là il traverse nous puisque quand même il dit ou t'es journaliste ou t'es une figure publique dans pays ça donc est-ce que donc notre transition ça ou t'es indépendante ou t'es la caillou en Haïti ou vient tomber donc il y a un côté c'est monde qui obligé donc en cadre rapide pour pas tomber donc choc ça donc comment gérer bon contrairement à ça quand tout le monde peut-être mais même moi j'étais moins joignant dans le monde parce que le moins venu dans ce moment alors moi quand ils ont grand frère parce que
c'est vraiment qui t'a imposé de me venir tout. Parce que dans ce point-là, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas venir aux États-Unis. Je pense que vraiment, on m'a fait, même si son terme est utilisé tout, mais que ce soit maman qui en a ici, demandez pour me quitter le pays par rapport avec le travail que je fais pour les gens, les gens qui m'ont poursuivi, les gens sur Facebook, les gens qui m'ont attaqué. Maman presque, les gens qui ont entendu. C'est chaque jour, maman m'a mis pression sur moi pour me quitter le pays et chaque fois que je me quitte le pays. Maman m'a pris les frères qui allaient prendre la maladie pour me quitter le passeport pour me retourner. Et quand il y a un coup, je m'en ai fait ça plusieurs fois. Maman m'a mis mon téléphone pendant mon États-Unis, quoi, c'était non. Mais après, parce que moi j'habite de BC en Haïti, c'est-à-dire que toute bagarre qui a passé de BC, je me dis, moi c'est là quand même, je ne vais pas sortir pour descendre dans la radio. Et puis, le tout incident, je finis par passer l'invasion pour me faire de BC, je fais mon billet d'avion pour moi aux États-Unis. Moi je viens, pour un sommeil. L'invité, maman, j'ai laissé mon téléphone, il m'a dit, tiens, mais pas pour me partir de retourner. Parce que, imaginons que depuis que j'ai tout bagage là, il m'a retourné en Haïti, m'a dit, je vais m'appeler à 14h du matin pour moi, prends la rue, elle fait journal, je vais aller policier avec moi, prends la rue. Imaginons, on va quitter depuis chaque jour. Après, il y a une invasion qui est passée. Barricade pour sortir, pour après les gens ont retiré telle barricade pour vous passer. Tout le monde a ça, on a pu sortir, c'est toujours une difficulté. Et puis le mal est immédiatement après l'invasion en fait. L'invasion en fait 28 avril, je crois, me déplacer 29 ou bien 30 avril. Et puis je retournais une semaine après. Je retournais pour me travailler normalement. Maman me l'envoyait, il parle, il fait presque une heure sous l'invasion pour demander moi, l'été, pour qu'il s'en besoin de retourner. Et si je ne parle pas de parler, c'est maman m'a retourné. Parce que nous sommes qui moi retourné. Et puis je me suis dit, des États-Unis, je suis aux États-Unis depuis à 16 ans. Il y a un Airbnb de Climito, c'est-à-dire que son monde qui intègre totalement dans la communauté. Donc, la vie m'a amené, il connaît ma amie bien, il connaît ma amie. Par contre, on compte besoin de ma amie pour ne pas me dépendre. Okay. Et puis, je me suis dit, ok, je suis venu à la ville, je vais me venir, je suis en semaine, je me suis dit, je vais retourner, je vais planifier pour moi. Et puis, j'ai avancé. Je me dis, mais quand il y a eu le téléphone, même si il a fini de passer, il n'y a pas de l'année. Je me dis, mais quand il y a eu le fonds billet pour moi, pour 3 juin, pour me venir. Je suis passé, je suis venu. Quand il y a eu style à demander de me venir. Et puis, le film fait billet pour 3 juin, je me dis, ah, billet a fait trop rapide parce que je me battais pour tout à l'heure, je me venu. Quand il y a eu viré billet, je me dis, mais ok, viré pour la semaine prochaine, pour le week-end prochain. Effectivement, il vivait le 10 juin. Il est supposé quitter Haïti le 10 juin. 9 ou bien 10 juin. Et après journal, 9 juin, puis fait journal 9 juin. Pendant ce moment-là, ambiance, nous fait photo, tout le monde qu'on aimerait aller, tout petit monsieur. Et puis, en 9 juin, après nous fait journal, malgré ça, je peux décider toujours parce que tout le 9 juin, je me fais valise moi. Et je connais, je suis supposé déplacer le 10. C'est 10 le matin, je suis déplacé, je suis quitté Haïti, je suis allé Saint-Domingue. Parce que c'est comme ça que je suis décidé de faire billet. Et puis de Saint-Domingue, je suis aux États-Unis le 11. Depuis que je suis rentré, je suis dans le cadre, je suis venu à la grande ferme. Alors c'est ferme de papa, il y a plus de madame. Ouais, ça c'est important. Intégration, monde qui a recevoir aux États-Unis, c'est important. Si ça fait grand tout le monde qui colle, soit venu à Biden, ou bien qui était venu pour lui, soit sur visa, ou bien par contre, qui passait par Mexique, ou bien de toute façon. Le venu à tout le monde qui est à Biden, surtout, qui après quelques jours, qui retournait à la carrière. Par rapport à l'intégration, par rapport à l'accueil que je joins, je vais décider d'être aux États-Unis. Mais heureusement pour moi, j'ai un frère qui s'est encore un papa, il a accueilli. Les tout support, toute assistance que vous avez besoin aux États-Unis.
Mais en même temps, je ne sais pas si c'est contre les plébiscites. Parce que c'est un peu le monde. Par contre, là, on vient, comme si Wapton, c'est le monde qui peut chiter pour faire tout le bagage. Non. Nous seulement, Mandel, le vigné, qui est en juin, et puis il me dit, non, il faut aller à l'école, parce que je ne vais pas chiter. Je fais juin, juillet, je me dis, il faut aller à l'école. Et puis il me dit, si l'école est capable de faire dans la zone, il me dit, ah, c'est beau, Wapton. Je me dis, mais quel type de l'école ou a besoin de chercher? Information ça dépend des informations juste monter sur Google et puis toute information yo apporter à la portée donc moi monter sur Google on chercher yo Miami Dead moi j'ai nommé Miami Dead qui tout près parce que alors côté moi j'ai habité bien que non déménagé moi j'ai habité downtown Miami zone Brico donc moi j'ai nommé Miami Dead qui a 18 minutes de moins dans machine en 18 minutes à pied 7 à 8 minutes dans la machine. Ok. Moi, je prends une machine, moi, je prends Uber, m'aller, je fais toute inscription pour compte moi, jusqu'à ce que moi, intégré, m'aller à l'école. Mais contrairement à Pierre Wenel, malheureusement, côté de la downtown Miami, son côté qui a, je suis capable de dire, à 80% Spanish. Ou j'aime plus Dominicain, ou j'aime Vénézuélien, Cubain. Moi, non, classe, je suis moi-même qui a été en classe. Tout le monde est Spanish. Ça veut dire, moi, non, classe, je suis obligé. À apprendre deux langues en même temps. Parce que dès que vous êtes avec Smoke, vous êtes là-bas, c'est l'espagnol qui a explication. Pour le capable de classe sans comprendre. Donc, vous êtes obligé d'apprendre deux langues en même temps. Bon, ce qui ça va déranger, c'est le bagage qui dit, moi, je suis juste sur Google pour apprendre. C'est pour dire que l'on ici, l'on est venu accueilli, ou pas que c'est comme si pour apprendre mon nom baby sit, pour apprendre mon nom, c'est mon nom qui vous fait tout le bagage ensemble. Bon, si on a une zone qui vient boss, moi-même côté de dans downtown, non, bon, bah, j'ai les shadows, pour qu'on connaît le film, pour monde qui par contre, une autre histoire qui arrive, bon, qu'à expliquer. Shadows sont sortes de trains qui passent en l'air, ils gratis, ils passent à tout moment. Donc, moi-même, juste chercher quoi ton shadow, shadow, c'est tout près, juste pour un shadow mal l'école, là, pour me douter que j'ai oublié. J'ai parfois tout, je saute l'école à pied pour me marcher, parce que, imagine, je me fais journée chez ta montagne, et frère, là, lui-même, c'est ça, le fait pour le capable. Et bien, une bonne baby-sit. Moi, j'ai une nièce, moi, qui vient 18 mois, mon petit ami avait me souffert sur WhatsApp, car, ouais, tout le temps, m'a posté une nièce, moi. Parce que même des défis de fois en année sabbatique, je n'ai pas posté photos sur Fontaine ni sur WhatsApp, ni Facebook. Moi, je fais silence total. C'est ton choix. C'est un choix que je fais. Mais malheureusement, Yves Lafortune avec Pierre Wenel René, ceux qui vous ont retiré une année sabbatique. Ceux qui vous ont retiré une année sabbatique, moi, je vais regarder dernièrement là, pour une photo nous faire ensemble. La gueule, en fait, un pile gourmet parce que je ne voulais pas me décider. Je m'abrite dans le silence. Je prends un recul, jusqu'à ce que je travaille, jusqu'à ce que je. Pour retourner dans le sujet, moi, je suis un bon bébé, c'est une pièce moyenne, et puis, je suis tout accompagnement, payé normalement, pour me capable, pour ne pas dépendre de vous. Parce que, au départ, le nous a proposé, je me suis dit, moi, lui dit, soit penser, si moi, bon, j'ai un nièce, et puis, mais combien d'abord chaque mois, et chaque quinzaine. Moi, je dis, oh, et nièce, moi, nièce, c'est un calamba, il voulait me poser. Je me dis, non, pas de mal comme ça. Les États-Unis, faut qu'on soit indépendant, faut qu'on pas supposer si t'as souvent mon ou bien tout le monde, tout son besoin pour dire j'ai besoin. N'a fait mes questions à faire, ma bossa, et puis, on va dire, ok. I will be able to get a little bit of a little bit. Il faut pas faire tout route, l'homme pour m'éviter de prendre Uber, parce que Uber va payer plus. Boss là, on va payer seulement $2. Ou bien si son couteau cache juste pour un shadow, ou pour un shadow, ou va arriver sur mon apprenti, mon apprenti. Mais quand tu es pour l'école, mais c'est ça pour faire un apprenti. Non. Oui, je vais encadrer moi-même, j'ai une assistance, moi-même, tout pour aider tête, moi, pour me capable d'avancer plus rapide. Donc, donc pour le monde qui a coûté nous sous RCH 2000 avec. Tragique dans Port-au-Prince ou même qui dans les organes sous Radio Anacaona. Donc nous carrément nous compte que avec parcours par Lydie Alexandre, donc il y a une chance que Guillaume Frel